Salut à tous, je joue une partie scandinave contre Yamav, pardon. Ah, alors attendez, il faut que j'agrandisse. Voilà. Que ça soit quand même plus agréable à regarder. Ça, je préfère. Sinon, ça fait trop sur le grand écran. Oui, contre ça, je joue ça. Je me développe. Je vais faire un grand roque. J'attaque le pion en me développant. Ok, contre ça, mais simplement fou d7. J'attaque à nouveau le pion. Et le pire, c'est que s'il le défend, ça marche pas. Parce que je prends quand même. Voilà, il faut le défendre comme ça, c'est mieux. J'aurais pu le prendre s'il avait défendu avec le cavalier, parce que si fou prend, c'est cavalier qui reprenait le fou. Ah, le roi revient à la maison. Alors ensuite, on a une belle place pour notre fou. Et je pense que là, il faut jouer F6 pour contester un peu son. Sa chaîne de pions là. Notre fou va se développer comme ça. Là, les deux fous ont des belles cases. Les deux fous sont bien. Pour une fois. Je dis pour une fois parce que j'ai souvent du mal à faire quelque chose d'intéressant avec mes fous. Je sais pas pourquoi j'arrive mieux avec les cavaliers. Alors. Donc si j'attaque ce cavalier, ça ne le cloue pas. Mais est-ce que c'est utile? Bof. Non, je vais plus développer l'autre, je pense. Ou alors je prends là. Prends. Mais est-ce que j'aurais pas pu quand même le prendre tout à l'heure? Parce que s'il reprend avec le pion, c'est pareil, je prends le fou. Est-ce que ça veut dire que je peux encore? Cavalier prend, alors. Bon, si fou prend, je prends le fou, je gagne un pion. Si pion prend, on dirait que j'ai sacrifié un cavalier. Mais en fait, il y a fou prend. Qui est pas protégé. Donc je récupère ma pièce et j'ai gagné un pion entre temps. Cavalier prend, pion prend, fou prend. Il peut pousser son pion après pour m'embêter un petit peu. Et je pense que ça vaut le coup si je gagne un pion. Et si. Ah merde, il y a aussi cavalier prend. Ah, cavalier prend, c'est pas grave, je reprends. Mais j'aurais pas gagné un pion. En fait, oui, c'est ça, faut qu'il prenne avec le cavalier. J'aurais dû prendre au coup d'avant. Hein. Mais là, il va reprendre avec le cavalier. Et je peux pas prendre le fou tout de suite parce que. Il y a une fourchette après. Pire qu'une fourchette, je perds cette tour complètement. Je perds probablement la tour. Ou alors au moins la qualité. Donc, il va reprendre avec le cavalier et je suis obligé de prendre avec le pion. Après, peut-être qu'on va échanger les fous, je sais pas. Et qu'après, pion prend. Il aura un pion avancé mais isolé. Donc, je suis quand même bien. Mais si j'avais pris plus tôt, j'aurais gagné un pion. Comme il prend du temps, je vais essayer de vous remontrer. C'est à ce moment-là que je pense que. Qu'au lieu de roquer, j'aurais pu. Non. Ah, c'est quand même. Non, je pouvais pas prendre. Ah, c'est risqué, je sais pas, sans avoir roqué. C'est à ce moment-là que j'aurais dû prendre, ouais. Ok, il a joué. Donc, on va faire ce qu'on a calculé. À moins d'avoir. S'il fait ça, on a échec. À moins d'avoir un mat, ça ne vaut pas le coup de sacrifier une tour. Mais il n'y a pas de mat. Échec. Il peut pas aller là, mais il peut très bien aller là, il peut aller là.
Mais je suis mieux développé. Quoique, deux pièces pas développées. Enfin, mon roi est développé en fait. Et lui, il a... Si, je suis mieux développé quand même, puisque j'ai que ces trois-là qui sont pas encore développés. Et c'est à moi de jouer. Alors, si... est-ce qu'on peut attaquer ce pion? Si j'attaque directement comme ça, c'est un peu... Je bloque mon fou, et en plus, il va quand même pouvoir défendre le pion sans trop de problèmes. Je pense qu'un coup plus utile serait de mettre mon fou là. Si j'attaque le pion plus tard, je sais pas si je vais le faire tout de suite, mais après le fou peut venir là. Faire une fourchette au cas où il vienne défendre comme ça. Ça peut être intéressant. Mon cavalier, il m'embarrasse un peu puisque j'ai pas envie de le sortir là. Pas envie de doubler mes pions sur la colonne H. Donc faudrait plutôt que je sorte ici. Mais dans ce cas, ça m'empêche la tour de venir là. Alors elle peut encore venir là. Parce que c'est vrai que s'il avance, j'ai une fourchette. Alors. Est-ce qu'on jouerait ça tout de suite? Ah, ce qui est pas mal, c'est que j'attaque ce pion. S'il le défend. En fait, je peux prendre quand même, puisque il prend là et je cloue. Il récupère pas, il peut pas le défendre son fou après. Donc ça m'a l'air sympathique. À moins qu'il y ait une contre-attaque, mais je pense pas. Je retarde le développement de mon cavalier. Allez, on va faire ce qu'on a prévu. Donc c'est bon, j'ai récupéré mon pion. En fait, dans mon ouverture, là, je fais un sacrifice de pion. Au début. C'était quand même important de le préciser. Donc là, je viens de le récupérer. Est-ce que je prends tout de suite? Oui, puisqu'il menace de le défendre. Et après, je pense que je suis super bien là. Alors ce coup-ci, je mettrais bien mon cavalier ici pour sortir la tour comme ça et être tout de suite en face du roi. Pour l'embêter au maximum. Ok. Je suis très tenté de faire échec, évidemment. Il faut voir que... Il ne menace même pas de me prendre la tour puisque j'aurai une fourchette. J'hésite entre doubler les tours ou alors venir ici tout de suite faire échec. Évidemment, on est tenté de faire échec, mais concrètement, à quoi ça sert? Il va mettre son roi sur une plutôt bonne case. Si je fais échec là, il va venir là et mon cavalier va être un tout petit peu embêté, peut-être. Il menace aussi de venir là avec le cavalier. Faire ça. Il va falloir que j'accélère un petit peu. Bon, ici, c'est quand même vachement égal maintenant. Est-ce que je suis obligé d'échanger tout? Est-ce que je peux clouer son cavalier? Si je cloue le cavalier et qu'il me mange la tour, fourchette, tac, je le remange. Ok, il reste pas à clouer très longtemps, donc
C'est une tactique compliquée pour juste faire un échange de tours au final. Ça apporte pas grand-chose. Je ferais bien échec quand même voir où il va, parce que s'il vient là, je peux juste défendre dans mon cavalier, mais d'abord faut quand même échanger les tours. Ma tour est toujours attaquée. Ok, on va faire ça quand même. J'ai pas envie d'échanger les deux paires de tours maintenant parce que sa tour qui est là ne fait rien et quel est l'intérêt d'échanger avec une pièce de l'adversaire qui ne fait rien. Si c'est lui qui échange, il me donne le contrôle de la colonne, donc c'est pas trop mal. Et tant qu'il échange pas, sa tour là ne fait rien. Bon, peut-être qu'il peut la mettre ici, mais on va bien voir. Je pense que j'ai pas trop réussi à l'embêter autant que je voulais parce que j'avais un avantage de développement avec mon grand roque et ma tour qui arrivait tout de suite et mes deux fous qui étaient bien. Et ça y est, il n'y a déjà plus de fous. Je le fais réfléchir apparemment. Peut-être que lui aussi il a du mal à trouver un plan. Est-ce que je peux venir là? Il peut pas me prendre. Est-ce que je suis défendu deux fois? Ça attaque sa tour, mais qu'est-ce que ça fait d'autre? Peut-être que je peux venir sur cette case là. Moi j'avance mes pions. Empêche de venir ici pour l'instant. Donc si mon objectif c'est venir sur cette case, peut-être que je vais B5 d'abord. Non, il pourra quand même me chasser facilement. Est-ce que c'est une si bonne idée de venir là parce qu'il va me clouer? Je peux défendre. Prends. C'est égal. Quand même venir là plutôt. Tout ceci est totalement égal. Je menace de faire échec. Et j'ai pas vraiment de cible à attaquer quoi. Enfin, si je viens là, j'attaque un pion, d'accord, mais. Non, si je fais échec, il y a plein de solutions possibles. Si je viens là, je disais ça attaque un pion. Il vient simplement là. On va surtout essayer de jouer plus vite. Et de pas faire de grosses gaffes. Est-ce que je peux jouer ça? Il commence à avoir une belle case là, oui. Je peux faire échec et gagner un pion. Je lui laisse ce pion.
encore. Je sais pas si je fais l'échec qui vient là, donc ça va pas. Par contre, là, là, là. Ah merde! J'avais cru qu'il pouvait pas faire ça, je sais pas pourquoi, j'ai mal vu. Ok, ben écoutez, c'est perdu. Hein. J'avais pas regardé la. Non, j'avais pas bien regardé. Bon, quand est-ce que j'aurais pu faire mieux alors? Ça, c'est mon plan habituel, on va dire. Ça aussi. Ouais, et donc là, il a fait une connerie. J'ai pas bien puni. J'en suis rendu compte trop tard. Bon, c'était pas grand chose. Là, ça marchait encore, je l'ai pas fait. Là, ça marchait encore, et je l'ai fait. Oui, sauf que ça avait moins d'effet. Disons que je devais encore travailler plus longtemps pour récupérer ce pion. Ça m'a fait. Au final, ça m'a fait perdre un peu de temps. Ça lui a permis d'échanger les fous, par exemple. Donc après, c'était complètement égal. Après, c'est plat, 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 plat. Donc ouais, j'ai perdu mon avantage en ne reprenant pas le pion assez tôt. Ensuite. Totalement égal. Et puis là. Erreur fatale. Et si je venais là, au moins se protéger cette case. Ouais, ça c'est un motif qu'il faudrait que je retienne. Parce que j'ai pas reconnu. Moi, je pensais à un autre. Je me méfiais d'un autre problème. C'est que si son cavalier avait été, par exemple, sur une case qui contrôle celle-ci, et que sa tour était sur la cône E, alors tour E8 ferait un mat du couloir si cette case-là est contrôlée par un cavalier, disons, si le cavalier était là. Donc j'ai pensé à ça dans ma tête, mais j'ai pas pensé à ce motif-là. Donc j'ai même pas fait de calcul parce que je me suis pas méfié. C'est dommage. Plus que dommage. Ok. Bah au moins, voilà, j'aurais appris quelque chose. Hein. Et bon là, dans toute la fin, de toute façon, bon, j'avais aucun avantage. J'espère que vous aussi, cette partie vous aura permis d'apprendre quelque chose et à bientôt. Salut.